Bonjour les amis, on se retrouve pour une vidéo motivation ménage spéciale salle de bain. Nous sommes dimanche et je vais faire ma salle de bain. En général, je la nettoie une fois par semaine. Voilà, donc je viens enlever le calcaire, surtout voilà les dépôts de calcaire. Je vais faire la baignoire et le meuble aussi de salle de bain, le sol, je vais changer le tapis. Allez, c'est parti! Je commence par enlever tous les produits pour faire place nette. Donc là, voilà, là, je désencombre la baignoire. Pour vous dire, nous sommes 5, donc les produits, il y en a. Donc voilà, j'enlève tout pour avoir la baignoire libre pour passer mon coup de chiffon. Donc là, je viens prendre une microfibre et de l'anticale et je vais venir passer mon microfibre sur toute la surface directement avec le torchon, c'est-à-dire que je ne pulvérise pas la surface parce que je ne sais pas si vous connaissez l'anticale, mais ça sent très très fort. Donc voilà, je préfère l'utiliser de cette façon. Voilà, c'est moins prenant, on va dire, pour le nez, hein. Je viens ensuite rincer tout le produit avec l'eau de la douche. Je pense aussi à faire la robinetterie. Donc là, je pulvérise directement dessus et je viens frotter avec une brosse. Donc celle-là, je l'ai achetée à Action. C'est une brosse vaisselle, mais franchement, pour nettoyer la baignoire, j'adore. Et je finis la baignoire
en n'oubliant pas le tablier. Je m'occupe ensuite du meuble de salle de bain. Donc là, c'est pareil, je commence à tout débarrasser. J'enlève tous les produits qui traînent sur le lavabo pour pouvoir bien le nettoyer, évidemment. Comme vous l'avez vu, pour le meuble de la salle de bain et la glace, j'utilise seulement le produit de chez Action de la marque A Good Clean et c'est spécial salle de bain. Donc là, je fais tout mon meuble, même la robinetterie avec ce produit et ça marche très bien. Voilà, donc je fais tout avec le même produit et la petite brossette spéciale vaisselle.
Et pour la façade du meuble, je viens d'abord le nettoyer avec une lingette microfibre humide. Et donc je fais tout, hein, les poignées et les portes. Et ensuite, je viens essuyer avec une microfibre sèche. Et franchement, c'est nickel.